Hello everyone, and welcome to the 22nd Annual Fry Festival. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à la 22e édition annuelle du Festival Fry. Je m'appelle Chantal Thériault, et je suis la vice-présidente du conseil d'administration du festival. On behalf of the Fry Festival, I would like to recognize that the land upon which this event was planned and is being broadcast is the traditional unceded territory of the Mi'kmaq and Wolastoqiyik peoples. Nous souhaitons bâtir de nouvelles relations avec ces peuples, et c'est avec un profond respect que nous prenons ce moment pour reconnaître et honorer les conteurs et les traditions orales ancestrales de ces deux nations, alors que nous partageons nos histoires ici aujourd'hui. This evening, we present Prelude, an evening celebrating new voices from throughout New Brunswick. Les voix que vous entendrez ce soir sont en pleine émergence et démontrent la vitalité, le potentiel et l'audace de notre province. We would like to recognize the support of UNI Financial Cooperation and Assumption Life in presenting these emerging authors. Le concours provincial de création littéraire est présenté grâce au soutien d'Assomption Vie et a recueilli cette année un record de textes d'étudiants et étudiantes de partout au Nouveau-Brunswick. Last month, we announced the 12 finalists, 3 per category, of our provincial creative writing contest. And tonight, we reveal the winners, chosen by a jury of professional writers from right here in New Brunswick. Voici donc les lauréats et lauréates de ce concours. Here are the winners for the Provincial Creative Writing Contest. In the English Short Story category, coming in first place is Lauren Reed, a grade 12 student from Kennebecasis Valley High School. Around her decaying neck hung a rusted pocket watch, still ticking. In second place, Abby McIntosh, a grade 11 student at Bernice McNaughton High School. Their eyes dissected him, the stage now an operating table. In third place, Minseo Jung, a grade 11 student from Bernice McNaughton High School. Submerged in a liquid sky, the paralysis ejects the mind from the body once more. Here are the winners for the poetry category. In first place is Paige May, a grade 11 student from Harrison Trimble High School. All the truth the adults would withhold, that we are all equal, he was never told. In second place is Libby Rowland, a grade 11 student from Bernice McNaughton High School. The world has been plagued by more than just illness, and every single one of us is a witness. In third place is Tegan Robinson, a grade 12 student from Bernice McNaughton High School. For Prey, Protection, Partnership, Inadvertent Music Made. Congratulations to all the winners. Voici les gagnants et gagnantes du concours provincial de création littéraire. Dans la catégorie des nouvelles, en première place, Daphne McIntyre, en 11e année à l'école L'Odyssée. Lascivité, lubricité, impudicité, libidinale, pulsionnelle, génésique, vénérienne. J'ai recherché les synonymes de luxure pour rendre artistique une fusion de deux corps. En deuxième place, Jeanne Boucher, une élève de la 12e année à l'école L'Odyssée. La vie est cyclique. On change de manteau comme on change de registre de chanson à chaque saison. En troisième place, Krista Phillips, en 10e année à l'école aux 80. Il ne me reste plus de larmes à pleurer. Ça fait 10 minutes que je regarde le fusil du coin de mon œil. L'âme qui a tué papa, l'âme qui a tué maman. Et maintenant dans la catégorie poésie, en première place, Laurie Roy, en 12e année à la polyvalente AJ Savoie de Saint-Quentin. Dans la quiétude de ma taverne, mon cerveau refit sa valse. Cercler les mauvaises pensées, devenir terne, taciturne, turpide, tout recommence. En deuxième place, Néla Silouani, en 10e année à l'école Marie-Esther. Puisque la liberté m'est gouvernail, que l'ennui est mon unique navire,
Dans cette tempête où je chavire, de Caribe en Scylla, ma vie s'empaille. En troisième place, Bennett Godfrey, un élève de la 9e année au centre scolaire Samuel de Champlain. L'automne, les feuilles multicolores tombent légèrement. Les corbeaux massacrent le gazon à la recherche de vers blancs. On récolte tous les légumes de notre potager. Pour la saison, je range mon bâton, mon filet et mon gant. Félicitations à tous les gagnants et les gagnantes. Congratulations, félicitations to all of our laureates. You can find their complete texts on our website, fry.ca. Rendez-vous au fry.ca pour lire leur texte en version intégrale. It is now my pleasure to welcome this evening's illustrious co-hosts who represent our Fry partner organizations. Annick Landry from the Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick and Shoshana Wingate from the Writers' Federation of New Brunswick. Born in New York City, Shoshana Wingate moved to Atlantic Canada in 2004. She was the founding editor of Riddle Fence, an arts and culture journal. Her poetry collection, Radio Weather, was named a most anticipated book by 49th Shelf. In 2019, she was named Poet Laureate of Sackville. She is the current executive director of the Writers' Federation of New Brunswick. Diplômée du département d'art dramatique de l'Université de Moncton, Annick a joué au théâtre et dans des séries télé. Elle a collaboré à titre de comédienne et créatrice à divers projets de marionnettes, des pièces pour enfants, des productions en chantier et des productions de théâtre physique grand public avec le Théâtre populaire d'Acadie. Satellite Théâtre, le Théâtre du Gros Mécano et Pulpus Mordicus. Depuis 2018, elle occupe le poste de responsable des services aux artistes à l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Without further ado, here are Shoshana and Annick. Petite intervention COVID, désolée. Alors, bonjour à tous. Comme Chantal vous a dit, je m'appelle Annick Landry et je vais co-animer la soirée prélude avec vous. Bienvenue au public qui s'est déplacé ici au Centre des arts et de la culture de Dieppe et bienvenue à tous ceux qui sont à la maison, qui nous regardent via la chaîne YouTube du Festival Fry. Donc, je travaille à l'Association des artistes et on est très, très, très fiers de pouvoir collaborer souvent avec le Festival Fry pour plein d'activités, des conférences, des classes de maître et tout ça. Et ce soir, nous sommes extrêmement heureux d'appuyer le Festival Fry dans cet événement où nous célébrons les écrivaines et les écrivains en émergence du Nouveau-Brunswick. Vous découvrirez ce soir 6 auteurs émergentes et émergents, des poétesses et poètes, des slameuses et slameurs et des essayistes anglophones et francophones qui vous partageront leurs œuvres. Thank you all for coming, for your enthusiasm and your generosity in supporting this event. The Writers Federation of New Brunswick is proud to partner with the Fry Festival again this year for bringing you Prélude. The Writers Federation of New Brunswick is a federation of writers and writing enthusiasts, the provincial organization for the Anglophone writers of New Brunswick. We started in 1985, and today have close to 200 members. We support writers through professional development workshops, an annual writing conference, resource exchange, advocacy on behalf of writers, and by standing together as a community. Writing is a solitary activity, stretched and weathered over months and years. It is a calling, a passion, a vocation, and it is work. The Writers' Federation of New Brunswick is a haven
for many and a means to connect with others who are pursuing the same. We seek to raise the banner for literature, for great writing, and to celebrate our stories, for they are who we are. Thank you, Shoshana. Alors, la première artiste est originaire de Port-au-Prince, en Haïti, où elle a fait ses études classiques. Et c'est à cette époque qu'elle a découvert son amour pour la scène, l'art et la littérature, et par ricochet, la poésie. Elle a ensuite déménagé au Canada, à Moncton, pour y faire ses études en gestion du loisir, sport et tourisme, pour après organiser la 29e édition du Salon du livre de Dieppe en tant que directrice générale. Son texte Peine capitale a été publié dans la revue Ancrage. Alors, je vous présente Fiota Dantis. Bonsoir. Donc, je vais vous lire trois textes différents aujourd'hui. Et le premier texte que je vais vous lire, je l'ai écrit à mon fils, il a 7 mois. Puis, je dédie ce texte à toutes les mamans, anciennes mamans, futures mamans et les nouvelles mamans. Et surtout à ma mère. Je veux vous laisser savoir que vous êtes plus forte que vous pouvez l'imaginer. Mon fils, je suis désolée. Je suis désolée, oh, si tu savais. Désolée pour toutes les fois où, étant dans le ventre, je te demandais de sortir. Il faut savoir que maman, parfois, elle n'en pouvait plus. Pouvait plus de ne pas pouvoir mettre ses chaussures ou même de s'asseoir sans pousser un soupir. Bien qu'elle aimait voir son ventre tout rond, elle se demandait si elle allait revoir son corps. Son corps qui, jadis, faisait capoter ton père. Elle n'en pouvait plus de deviner si sa couche était assez propre quand elle la lavait, car elle n'avait plus aucune idée à quoi elle ressemblait. Elle n'en pouvait plus de ses nausées matinales qui duraient toute la journée et de son estomac qui n'arrêtait pas de lui faire vivre le martyre. Mon fils, je suis désolée de comment j'ai maudit mon ventre lors de ces contractions. Je sais que tes oreilles n'étaient pas prêtes pour cela, mais merde, ça faisait mal. Je suis désolée que je n'ai pas pu te délivrer comme on en avait discuté. Désolée que je n'ai pas pu te prendre dans mes bras les premières minutes de ta vie. J'aurais aimé que ton père soit là aussi pour entendre tes premiers cris. J'aurais aimé qu'il soit présent, qu'il me tienne par la main, qu'il me rassure en me disant « Notre fils est beau ». Maman n'avait plus de force pour exiger la présence de papa. Maman n'avait plus de force pour exiger qu'on te dépose dans ses bras. Mon fils, maman est désolée. Désolée des larmes qu'elle a versées en t'allaitant. Maman avait très mal et elle ne savait pas comment s'y prendre. Mon fils, maman est désolée pour toutes ces fois où elle boudait la nuit en se réveillant. Elle était fatiguée, physiquement et mentalement. Mon fils, maman est désolée. Et par-dessus tout, maman t'aime. Le deuxième texte, c'est en support au mouvement Black Lives Matter. Je suis noire. Devinez quoi, les amis, je suis noire. Noire avec ma peau, noire avec mes cheveux, noire avec mes racines. Je suis noire et fière de l'être. Je suis noire et pour rien au monde je ne changerai cela. Je suis noire et j'en ai marre. Marre de ces hashtags qui ne finissent plus. Black Lives Matter, Black Power, Black Magic. Pour moi, ce sera toujours un hashtag de trop. Un hashtag de trop car je ne vois pas la raison pour laquelle je dois expliquer à mon frère humain que je suis humain tout comme lui. Un hashtag de trop car je dois lui faire savoir que nos sangs à tous les deux sont rouges.
un hashtag de trop, car je dois lui faire comprendre que j'ai les mêmes droits que lui. Un hashtag de trop, car il ne comprend peut-être pas que c'est le même Dieu qui nous a créés. Je suis noire. Noire dans la langue, noire dans la coutume, noire dans les valeurs. Noir, et c'est ce qui fait ma beauté et ma différence. Noire et différente, mais je ne veux point une compétition entre nous, ma sœur. Je cherche une communication pour que tu apprennes à me connaître, une compréhension pour que tu t'ouvres à moi et qu'on fasse tomber nos barrières. Je suis noire. Noire dans ma peur. Noire dans ma peine, noire dans ma colère, noire, et c'est ce qui me rend en colère. Partout où je suis, partout où je vais, je suis la bête noire qu'il faut éliminer. Noire, et c'est ce qui m'appare. Chez moi ou dans les rues, ma négritude brille plus que le soleil et je deviens la cible. Noire, et c'est ce qui me peine. Preuve concluante ou pas, je suis coupable. Coupable d'être noire. Je suis noire. Noire dans mon agonie. Noire dans mon trépas. Et noire dans ma mort. Et tout cela, ce n'était parce que j'étais noire. Mon dernier texte se nomme Peine capitale. Je l'ai écrit pour mon pays. Ils t'ont vue, toute belle, couverte de ta belle robe verte fleurie, tes courbes volumineuses, protectrices et alléchantes. Ils t'ont vue, toi, toute belle, avec une douce chaleur auprès des eaux dans laquelle tu te baignes. Tu offres une vue magnifique où en arrière-plan, les palmiers dansent un yanvalou sensuel. Ils t'ont vu, dans toute ton innocence, ta douceur enfantine qui te donne l'air naïve, ton sourire accueillant qui dévoile ton cœur. Ils t'ont approché, ils t'ont amadoué, ils sont devenus tes amis et ont gagné ta confiance. Ils t'ont fait de belles promesses et t'ont donné de l'espoir. Et toi, tu t'es laissé aller. À ta grande surprise, les promesses sont devenues mensonges et l'espoir s'est transformé en détresse. De ta belle jupe verte fleurie, plus aucune trace. Tes cuisses voluptueuses ne gardent que de mauvais souvenirs de ces mains qui les creusaient. De leurs bâtons dans lesquels coule une envie de pouvoir incommensurable, ils t'ont pénétré d'une violence qui ont fait trembler toutes tes provinces. Chaque coup de rein fait augmenter ton manque de confiance en toi et ta culpabilité de les avoir laissés entrer. Tes gémissements sourds ne dévoilent que ton désespoir et ta dignité fuit à chaque regard affamé de ces cochons. Malgré tes cris et tes pleurs, ils te gardent prisonnière, car ils n'ont pas fini de piller tes richesses. Tu es encore debout et vivante, ils peuvent alors en reprendre. Ils puisent dans tes mines, ils puisent dans tes rives, ils puisent dans tes vives. Encore et encore, ils viennent te chercher pour assoupir leur brûlant désir de richesse et de pouvoir. Ils fracassent ta chatte avec leurs reins comme des coups de rigoise tapés sur le sol dans les raras. Et la partie ultime, l'éjaculation. En toi, ils ont déposé l'insécurité, la violence qui court dans tes veines, un système de santé inexistant, une éducation insouciante, une culture à la dérive, une jeunesse sans espoir, une corruption toujours affamée. Leur jouissance souillée te consumait de l'intérieur, te consume jusqu'à l'âme, car ce sont tes propres enfants qui te violent. Haïti chérie, devant le juge, je te défendrai, et pour ces porcs, je demanderai la peine capitale. Merci.
Kieran Prigent is a Canadian poet and freelance editor based in St. John. They possess a master's in English literature from Scotland and are the founding president of Chroma Pride, Inclusion Equality Inc., a 2S LGBTQIA+ organization focusing on advocacy, community, collaboration, and education. They have been published in Vox, Foglit Journal, Rose Quartz Mag, and Cadence. Kieran. So my pieces, the theme is always a little bit, some like to say cliche. I do like to write about love in my poems, but I assure you they are not cliche in the slightest. Some of which really focus on, I think, the more difficult aspects of love and those pieces. So the first one I'm going to start out with is Meditate, and one of my more recent poems. This was the one that was featured in Cadence and written for my partner. Meditate. You are tethered to my solar plexus. Chlorophyll, I feed on sugar and sunlight. I could never quite figure out what chakras were, but I figured if they could cure a strained muscle or two, it might be worth discovering. Crown to root, yes. Fingered to flower petals down to tree branch, trunk, underground, and you've managed to sprout between my thighs. All regrown, I've memorized your moods. Sacral, sacrificial, some days we burn more than we plant. I can't meditate even on the best of days. There's something broken but budding and being high strung. Every February is a guessing game of how long until the leaves begin to grow back. Okay. So the second piece that I will be reading today is from Foglit Journal 4, the local literary festival here in St. John. And I wrote this poem when I was in Scotland, so hopefully I can get the Scottish accent okay. This poem is called Keep the Heed, which means keep calm, keep your head. I want your words. I'm prone to accents. Aberdeen accented by rolling R's and throaty rumbles. Not Glaswegian, but glacial, gray, coastal. Granite City growls. Come here, wee hen, I canny hear ye, drowned by downpour, whispers finding jaw grizzled, trying to get out on the sea, pantheistic ebbs and swells of briny froth. You're a wah to work, and I'm drifting in the double bed, skin sandal on soft sheets, and I wonder what my ma would think if she could see me now. Nah, I'm no ready to leave. I'm falling in, sinking like ships, gutted, fishy shivers from departures, and a Dene went to drown on your coast like sacrificial whore. The fog's a personality, melancholy, ye ken. Days of drizzle dripping down into cobble cracks and cracking Thor into thundered shore, shore. And sugared thighs to clench hard hips, hair like wet and wild, sleek oil slick, matted to mattress. Waving movements, bodies slide enraptured, captured, and sea foam green beach eyes close. Fingers clench into bobby pins, opening floodgates to praise the gods and the rain. And anyway, she's pure getting for it. Okay. So the next piece is entitled Cliff Notes. This one came just a little after Keep the Heed and is very St. John central.
I've known the life of mountains. Born to glaciers and cedar forests, I knew what it was to feel small yet grand between their peaks. After 14 years, I moved to the seaside, where horizon floats further and further away from the beach. The salty air clings to lung tissue, and you become a smoker by proxy. A pack a day since I turned 16, and so far, I've stopped breathing entirely. I think of death even on the best of days, at least in a vague sense. Snow tinted with twilight, I forget what time of year it is, and I wonder what happens to bodies when the ground freezes. I miss my green valley. Even the avalanches are a highway solace for trips I was never fond of. I fear some nights that Quito will pull me out to sea and I will be eaten before I drown. I'd rather lose myself in the woods. I can't see things otherwise. And besides, I've never cared for the coast. And this last piece is actually not yet published. This is a new piece, one I wrote shortly after coming out as non-binary, and really explores that topic and what that meant for me. So this poem is entitled Eve. We all knew the apple was really a pomegranate. Funny how they crack when they're opened, tearing like something gruesome and fungal, indistinctly flavored of womb. Not very feminist, that, you might say. We're still seeded, unsweetened. Pure pomegranate juice must be watered down. Me too. I want to peel layers off my body like the skin of a ripened orange. Filing my nails to witch's claws, I paint them gold. Perhaps if I dig them into my flesh, I could taste the tang of my insides, citrus, like the exfoliant in my bathtub. I can't seem to scratch this itch to satisfaction. I smell like clementine between my thighs. We're all a bit blue this time of year. She's so frigid, isn't she? Pretty snowfall loses her luster each time a car drives by and catcalls her till she's muddy. Why am I a body, she wonders. And I wonder, too, why we can't strip down to our skeletons. A drop blueberries ripen to bursting into my mouth, and I will crush them between my teeth. Thank you. Et habitant à Saint-Hilaire, au Nouveau-Brunswick, le prochain artiste se promène et s'opère entre ses héritages Wanda, italien, espagnol et québécois. À peine sorti de l'école, il prévoit axer ses études sur les perspectives autochtones en environnement. Il se passionne pour les livres et l'écriture, mais aussi pour le dessin, le théâtre, le cinéma et la musique. L'année 2020 marque un point tournant pour cet écrivain avec la publication de son tout premier recueil de poésie, Boiteur des bois, inspiré de ses peurs, de ses rêves, ses démons, ses délires, son amour pour la nature et ses origines mixtes. Mesdames et messieurs, voici à l'écran Felix Perkin. Merci beaucoup. Donc, pour ma lecture, je vais vous lire un petit extrait de mon recueil de poésie « Boiteur des bois ». Inspire, je n'ai pas argumenté. Expire, je n'ai pas argumenté. Dans un élan de méditation, maîtriser l'inconscient. Le point final au bout de l'arc-en-ciel. Dans un monde où tous les pauvres vivent sous le même toit. J'y vais. J'emplis mes poumons d'air. Un éclair, une idée foudroyante venue du cosmos, me permet de rêver au chef-d'œuvre. Je me gonfle comme une hyène en colère. Je retiens mon souffle. Apnée. Cycle pulmonaire. La maladresse du souffle. Fréquence respiratoire. 12 à 20 cycles par minute. Aller-retour à perpétuité. Sans broncher.
Par la bouche des canons, j'y vais. Je ne sais même pas la différence entre un moonskin et un bullskin. J'ai presque posé pour la graduation, tel un Lakota. Mais les albums de Yakari ne sont pas mes photos de famille. Miss Tolon pose en Layanonchia. Pour éviter la poésie primaire, les fausses croyances stéréotypées, je dois casser la rime. Sinon, j'écris des comptines. À cœur ouvert, je perce vos caprices. Un doigt solitaire, droit dans les airs. La police monte, rarement dans le coin. Plus je sais qui je suis, moins mes proches me reconnaissent. Essoufflé de ramper dans les marches, on s'éloigne quand on m'entend suer. Je me brûle les doigts en prenant la tête. C'est inconnu. Pourtant ici, on croise tout le monde, le temps d'un souffle. Ma plume, ces mots, nos démons, motiveront les miens pour éclairer nos moments d'obscurité. Après cette offrande de tabac, pendant que les trains traînent en gare, avant de devenir lucioles. Si les sachems portent des plumes, pourquoi n'ont-ils jamais volé? Pourquoi ne pas se construire des nids en hauteur, à l'abri, au-dessus des paradis coloniaux? Tous dans le même gouffre. Ragout hollywoodien, erreur 404, Kanasawaki. Apprends mon histoire, maman. Je me presse de toute cette violence. Ces crises d'hormones m'ont donné du jus, un liquide inflammable que pompe mon cœur. Un beau feu d'Indien, mon fils. Apprends ton histoire, papa. Devant moi, cette aura, ses yeux m'apprennent que mes sentiments sont fatto in Italia. Si elle savait qu'on retrouve souvent les plus grosses bêtes dans les plus petites cages. Sans savoir, nous chassons la même chose. Me sauter à la gorge, me mordre jusqu'à craquer les os de mes jarrets, m'éventrer, m'en sortir les tripes saignantes. L'entité étrange, mes tripes effrayées, pour essorer le sang contaminé du pissou, assaisonne mes boyaux de terre millénaire, puis trempler dans un bain de sang guerrier. L'entité prépare mes viscères, mange-les. Peut-être vont-ils reprendre leur place. Mort de rire, la ratant les dents. Longtemps, je mastique. Pince sans rire. J'ai des caries que je porte comme des plombages. Je fais monter les enchères. Avec les autres adeptes de ma discipline, je dis, moi, c'est pire. Comme le matador qui fait harakiri, devant le taureau à l'agonie, je mets mes racines à nu, bénévolement. Rendre son âme, sans remboursement. Payer le prix. Je me fais croire que le crépuscule ne deviendra jamais la nuit. Je vais courir jusqu'à confondre mes pieds et les troncs moisis. Je ne vois que du noir, comme si j'étais aveugle. Je vois le verre à moitié vide. Je meurs de soif. Mon autre œil, j'ai dû le perdre en ouvrant l'esprit, en crevant la cornée de l'innocence d'une maison close. J'aurais juré devenir une auberge de jeunesse. Toute cette route, pour finir comme une merde. Même les mouches n'osent plus me tourner autour. Le désespoir pèse lourd lorsqu'il est coulé dans le béton. Je marcherai dessus pour garder mes pieds au sec. Même si les rêves courent vite, j'ai tout mon temps pour m'entraîner. Si je scalpe des roues pour m'en faire un pelage de tigre, est-ce que je serai à la hauteur des romantiques? Nous trouver refuge, je m'accroche à son fer rouge. Les amoureux désespérés sont des clichés de merde. Ils puent tellement ils existent. Emprisonné, même au froid, au front, j'aurais voulu manifester. Momifié, je suis le bonhomme Michelin. Sans le sourire, j'ai le syndrome de Stockholm. Si je bouge, je devrais me battre. Mon cœur est un sous-sol de l'indélébile. Je laisse défiler ma colère. Je délire. En dessous de mes envies, sans savoir qu'elle est au même étage. Au moins là, je suis au chaud. Va au diable, ange gardien, j'ai toute la mort devant moi. Aucun regret sans attente, aucun remords sans mémoire.
Our next reader is Odette Barr. Odette, sorry, it's dark, I'm having trouble seeing. Odette is a writer, an artist, and a naturalist, and an arts educator. Her memoir, Teaching at the Top of the World, documents her years of teaching and living in a remote Inuit community in the Eastern Arctic. She is also the co-author and illustrator of the Camelia Earhart Children's Adventure Series. Her picture book won the 2017 Alice Kitts Memorial Award for Excellence in Children's Writing at the New Brunswick Book Awards. Please welcome Odette Barr. Evening, everyone. Take this off. I just want to say first and foremost, at the age of 61 next week, I am thrilled to be considered an emerging author. I like to say that I spent hours reading back and forth throughout my entire book to pick out a paragraph here, a paragraph there, and I wanted to give you a flavor of the many aspects of living amongst Inuit people in the high Arctic. The landscape, the home life, school life, the people, and the language, and the rich culture. But in the end, I felt that a reading that jumps around too much would be far too fragmented. So I decided to read excerpts, a few, from chapter one, Ilisei. Ilisei is the Inuktitut word for teacher. And that'll give you the same feeling of expectation that Joanne and I had as we made our way to Grise Fjord for the very first time. Let's put this here. Okay, here we go. So starting at the beginning, but not quite at the beginning. We had left Moncton, New Brunswick at 7 o'clock in the morning, heading west to Ottawa. After an hour's wait and a change of airline, we flew another 3 hours north to Iqaluit on the south end of Baffin Island. We waited and changed planes again before continuing on for the two-hour trip north to the mining community of Nanisivik, just east of Arctic Bay. There we had picked up a few more passengers and flown northwest to Resolute Bay on Cornwallis Island. Joanne and I were accompanied by Figgy Duff, a Newfoundland chow mix who spent most of the time napping in his kennel on the floor by our feet. Packed tightly around his crate were haphazard boxed cargo and bits of luggage, strapped in place in the front section of the plane, directly between us and the cockpit. We worried that Figgy might not make each successive connection with us. Thankfully, he did. Early in the afternoon, the jet had landed in Kalsuituk, place with no dawn, Resolute Bay to Southerners. We had a couple of hours to wait before boarding the red and white Ken Borick Air Twin Otter, which would take us further north still to Grise Fjord. We took advantage of the time to stretch our legs and walk Figgy Duff outside the small airport terminal building. Those few hours in Resolute helped us ready ourselves for the last leg of the trip. The air was crisp, yet no snow was to be seen. The land was stark and bare, nothing underfoot but rock and gravel. No vegetation was in evidence within sight of the airport. The handful of people we met were friendly, and those in the know were more than willing to share their limited knowledge of Grise Fjord. Someone inside the airport directed us to a poster tacked on a wall near the luggage belt. The poster showed a silhouetted mountain against a midnight blue sky with a few scattered, lit from within buildings in the foreground. Grise Fjord, apparently, at noon in January. The man was dumbfounded as to why we were moving there. Gazing at that poster in absolute wonder, Joanne and I thought it simply beautiful, and we were even more anxious to arrive to our newly adopted home. Another man behind the counter told us the weather was cooperating and the flight would be taking off on schedule. As we boarded the plane, we knew that in 1.5 hours, we would be home. We thought of Grise Fjord as home,
Even before we arrived, we sensed we would be happy. As we neared our destination, the elder at the back of the plane began speaking. He'd been quiet most of the way, but we knew he was listening. He would smile at us periodically when our eyes met. With Uluti's assistance, his traveling companion, much of what he said was interpreted for us. Piamini understood a lot of English, but struggled when attempting to speak it. He pointed out various landmarks, identifying them with their Inuktitut names. Unbeknownst to us, Piamini was a cultural instructor at our school. It was fitting that he was one of our first introductions to the people of the community. As a propeller plane came to a stop, people swarmed in, eager to see who was arriving. I released Figgy from his crate and attached a short leash to his collar. Experience taught me to keep a tight rein on our pet. We were ready to let people get to know our dog before letting him run free for walks on the outskirts of town. We could hear the cheerful chatter of people outside even before the co-pilot left the cockpit to open the side door. Piamini descended the ladder steps first and was greeted with hugs and handshakes. Uluti was next, followed by Joanne, then me with the dog. There was an air of excitement as we took that last step off the plane, smiling from ear to ear. We looked around at everyone and everyone looked at us. We inhaled the cool, sharp air deeply. Here we were on a plateau between the mountain cliffs and the sea at the very top of the world, at last. Joanne ventured into the crowd. Some brave young children edged closer and closer to me and Figgy. Luckily, he was a gentle soul and allowed the children to stroke his soft black fur. Soon more tentative children dared pet him. The adults then came to shake our hands. Over the years, I've never tired of this ritual at the airstrip, no matter who steps off the plane, even after a short time away. Everyone shakes your hand to welcome you home. Elisei, are you the new teachers? We were asked repeatedly. Yes, yes, Elisei, we echoed back with enthusiasm. What's your name? Off in the distance, several older students caught my attention. They walked near the perimeter of the group, corralling us towards the village's suburban van. These teenagers appeared more shy and reserved than did the younger children who had approached us earlier. I thought to myself, these must be my students, the new high school class, the first ever in Grise Fjord. I smiled at them through the crowd. Thank you. Originaire de la première nation malécite du Madawaska, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le prochain artiste n'est pas à moitié malécite et il n'est pas à moitié acadien. Il n'est la moitié de rien. Formé en théâtre et passionné par la danse et le mouvement du corps, il vit présentement à Québec. Il explore les liens étroits entre les arts et sa quête identitaire, et ce, avec espoir d'y apprendre et parler sa propre langue malécite. Son premier recueil de poésie, Fif et Sauvage, est paru aux éditions Personnage en 2020. Alors voici Shane Michael. Kwe, bonjour. Hi. Je m'appelle Shane Michael. Je suis autochtone et pour moi, c'est important de partager les moments de ma culture autochtone, mais aussi mon vécu, mais aussi le vécu des autres. Mais ce n'est pas aussi juste le côté de la culture autochtone, c'est aussi tout le côté LGBTQ qui est quand même très important dans ma vie. Et c'est deux sujets que je tiens vraiment à cœur. Et dans mon premier recueil, justement, Fif et Sauvage, je trouve que c'est un début et j'espère que je vais voir autres textes plus tard, éventuellement. Pas juste en poésie, peut-être en théâtre aussi également. Donc, c'est à voir. Donc, j'espère que vous allez apprécier la lecture. Je vais aller avec le premier texte qui s'appelle « La cachette ». C'est un texte qui,
ce qui représente un peu mon, ce côté-là de mettre sa culture de côté, mais aussi de, d'être capable de, des fois, il y a des moments difficiles qu'on veut se cacher, mais il faut sortir de temps en temps. Puis c'est la période où on se questionne le plus, c'est quand on est en cachette. Donc, c'est oui, voilà. J'ai les pieds dans vos ombres. Le soleil m'éteint les yeux. Mon cœur pompe la rivière. La direction s'immobilise. Je suis fait de nature empoisonnée. Je vis dans ce qui m'habite, l'incertitude. Je suis déjà en retard. Pour cacher les écorchures, il est plus simple de s'y envelopper. J'apprends par ce qui blesse. J'apprends à me faire mal. En polissant ses plumes de bleuets et de framboises, d'un arôme boréal. Comme si c'était du Q-Tex parfumé de voix animales volé dans le make-up de maman. Là, ici, je parle de ma mère aussi. Donc, la mère, c'est un sujet qui est très... Je veux dire, c'est une, pas un sujet, mais plutôt une référence, une source d'inspiration aussi qui reflète un peu partout dans mes textes. Ma mère, elle est décédée en 2010 d'un cancer. Et pour moi, c'est perdre un gros morceau de sa vie. C'est un passé au travers du deuil et tout. Mais c'est la personne qui m'a supporté le plus aussi, qui m'a appris les bonnes vertus, les bonnes valeurs. C'est comment partager cet amour-là aussi pour soi, mais pour les autres. Et je trouvais ça c'est important, pas juste en tant que mère, mais aussi que ancêtres et les autres mères dans le monde, les autres, les grands-parents aussi, qui partagent cette transmission-là, qui faut la faire aussi. Moi, j'ai mon devoir de le faire aussi. Donc, le prochain texte qui s'intitule « La voix ». Sous la terre, ma grand-mère m'entend marcher, ses mains m'enracinent, me guide vers la rivière. Elle me souffle doucement des petits coups de vague pour me rappeler qu'elle a encore une voix, la mienne. Prochain texte, maman. Elle danse au bout de la falaise, ses ailes. Elle danse librement. Il y a des journées où elle perd des plumes, des journées où elle danse mal, des journées où elle mérite mieux. Elle continue de danser, peu importe. Donc c'est tout, c'est ça même, c'est quand même des petits textes, mais c'est tous des petits textes que souvent on peut lire et relire, qui ça nous amène des petites émotions ici et là. C'est juste nous rappeler que, comme justement il y a encore cette voix-là, justement j'ai trouvé une lettre de ma mère avant qu'elle décède de son cancer, qu'elle m'avait écrit avant que j'aille aux études, puis juste la lire, c'est comme si j'entends sa voix encore, c'est le seul morceau qui me reste de sa voix, mettons, dans un sens. Donc je trouve que c'est bien d'avoir ces... même si c'est un petit texte, ça fait une grande différence pour soi. C'est sûr que j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère qui a ses problèmes aussi, donc c'est sûr que le prochain texte va un peu refléter dans ça. Il s'intitule « Médusée ». Mon enfant, j'aurais pu me débarrasser de toi. J'aurais pu t'étouffer, te noyer, te brûler, te laisser pourrir. Pour oublier le venin de ton père, pour oublier. Je ne suis pas un monstre. Comme lui, ce chien de tempête. Mon enfant, lorsqu'on écrase la patte du chien, il crie. Je veux l'entendre crier, l'entendre souffrir. Résonner en moi, je veux qu'il comprenne, qu'il se hante lui-même. Mon enfant, j'ai préféré t'enfermer dans une cage pour que tu ne vives pas la même chose. Tu resteras pur. Tu es le fruit interdit des corps. De ma terre, tu mérites le monde. Mon enfant, tu es une éponge de porcelaine, un oiseau aux ailes de cèdre. Tu dois apprendre à voler. Les hommes te fixeront comme des armes chargées, lèveront les poings, s'entretueront, ils s'épuiseront.
À ta drogue, ils boiront ton sang. Ta richesse vandalisée comme les autres, sans vie. Si tu pouvais te voir dans un miroir, tu te trouverais belle. Tu ferais renaître la vie. Mon enfant, je t'envie. Ne me déteste pas. Pardonne-moi. C'est seulement ce que je sais faire. Les choses qu'on aime font le plus mal. Quand je vais finir avec juste un autre titre qui s'appelle Le titre. Ne lis pas seulement mon titre. Ne te fie pas à l'image. Lis l'article au complet. Donc, ça vient un peu mettre, tu sais, il faut vraiment, on a beaucoup de contenu, mais il faut vraiment bien connaître les gens et s'amuser, je pense, à travers ça. Donc, Wally Wan, merci. Kelsey Klipp is an impassioned performance artist and a social justice and feminine warrior who has been weaving her love of spoken word, song, story catching, and community onto stages for over 5 years. Her Chilean and Eastern European ancestry is reflected in her works as the message for the people and for the earth is echoed often. She now calls Mi'kma'ki home after growing up in Treaty 6 territory. Please welcome Kelsey. The rebel wakes with tired eyes, sore feet, and a full belly, fed by the prayers of all those to come and before. Her mouth dry as she thirsts for a communal upheaval, one that takes to the streets and restores truth and compassion from all of those impacted by invisible hands and laissez-faire streaks. And as the earth turns, so do the beads found on rosaries and malas, inside rattles and shells where the spirit song sees heaven's chiming bells that beckon fallen angels into phoenix-style spells of necromantic-like awakenings. On earth, so it is here, we find peace and balance. But they await to be praised when we rise from depressions, knowing well that most economic progressions only lead to regressions. The rebel spirit pines for successions. See, it's truth and reclamation, beyond reconciliation of financial fanatics, but giving land back to a plow's depth and all that was taken from the collective. The indigenous warriors, OG land protectors, and all subdued into systems of oppression. See, the rebel sees it's all within reach, starting from a seed with the sunlight causing its breach. For all as one and one as none under the bright sun, we too will lead revolutions by returning to the earth with our prayers, our tears, and our triumphs. So this next little piece is, think of it as a really intense inner dialogue. I can be real now, say how I feel now, beyond pretending on my own, I'll be real now. These feelings sink deep, so I gotta admit to where I've been defeated. My innermost thoughts, they've got me seeing how I've been treated. By the bigger picture of our love, lost in the light of a belief. Believing I can be more, but believing is seeing, and seeing is believing.
So there's no point in scrutinizing, or I'll be left tongue-tied and blinded, but still I know that spirit's beside me. Left to the right of life, the right of passage is to go forth blindly, willingly, yet openly. So I'm sorry for the scars that I've torn open consciously, revealing my ego, feeling that full vulnerability. But check one down, at least it was just my ego. Now I'm soaring with the heart wide open for me, though. I see you, though. It's really just for you, though. I mean us, yo, because reality's in the gratitude, and the gratitude is here. Yo. So we move and we flow, down we go, heavens on earth. We'll drop down below though, because love knows no sorrows, and freedom isn't hollow. Spirit opens windows so that the good may follow. Letting the stagnant air flow out the window, air that used to think that there was this and that. So if anything matters, then everything matters. Nothing is for certain, so I've got to raise my standards. Wild, young, and free, with a heart as old as anarchy, singing for the sounds of my soul, I let it out so I can get going. I can be real now, say how I feel now, beyond pretending on my own, I'll be real now. Thank you. So my last piece is an ode to my ancestors. I'm dedicating it to my late grandfather, who was a political prisoner during the coup d'etat in Chile. And this one is for you, Tata. Tata Cool is what we called him, because he was just so cool. So this one's for my ancestors. Palabre de su madre. The ones with the war cries heard over the Andes, meeting the eagle in the north with the sky prophecies. I feel you in my blood. Seeing this is a knowing beyond any other, though the language slips my tongue. So I immerse myself. I align with the eye. Conozco mi gente, mi mami dice. So I listen. I look out, searching for los ojos almendras, los ojos grandes, with grandness to see the spirit of the earth coming alive within me as we honor our sacred lineage with our history in the soil and in the sky. Soy en media chilena. Todos de Pachamama, con un corazón que canta a la luna y piel que baila como el agua. See, this my soul knows. No distance can disconnect what is. Though pains of the coup may try to, I am here to speak for the ones left alive, behind, here, far gone, the ones who turned their eyes on the pain and the trauma that they thought that they left behind. Sleeping like giants in the arena, I walk into their dreams and I see them. Tucking their pains away so they can sleep in peace, singing songs of freedom, joy, and harmony. And for truth, as we know, for all those to come and all those before. See, I do this for my ancestors, the ones who raised their voices, fists, and spears at the conquistadors, and ones who unfortunately had to stand alongside those oppressors. Here to Conozco mi gente. Alors, c'est déjà tout pour la soirée prélude, pour l'événement prélude. Shoshana? Sorry, I was taken. I was watching her. She was beautiful. And I. Oh my God. Didn't I forgot that I was back up here? It was so nice to see someone, a pregnant woman. I was saying, it just feels like, you know, it's nice to see life. Yes. I would like to thank the three Anglophone writers that we had here today: Kieran, Odette, and Kelsey. Thank you for reading us for us today. Et moi, j'aimerais remercier les artistes francophones, donc Félix Perkin, Shane Michaels et Fiota Dantis. Merci qu'ils soient à l'écran ou en personne. Leur performance était très agréable, de grand talent. And I'd also like to thank the technical team, Zachary Bourgeon-Robichaud, Étienne Boivin and Simone LeBlanc at Atlantis Films. Atlas Films, sorry,
and Noël Burke and the Dieppe Arts and Culture Center. Et j'aimerais remercier également UNI, Coopération financière et Assomption Vie, pour leur appui pour la présentation de cet événement. Et merci à vous, le public, que vous soyez ici avec nous ou bien installé à la maison. I would like to encourage you all to purchase books by our participating authors from Tidewater and also from the library Le Grand Court Ours out in the lobby. They're very generously set up for us and are bringing us these books. So please, I encourage you to visit the table. Et je vous invite à assister à d'autres événements du Festival Fry, soit en personne pour certains événements ou en direct sur la chaîne YouTube du festival, soit le YouTube à commercial Fry Moncton. Merci beaucoup. I'm supposed to direct the audience members to the house left. Is that house left? To the exit. Yeah. Thank you very much. That way. Thank you so much for being with us tonight.